Nicolas Sarkozy vient d'ouvrir le débat concernant le port de la burqa sur le territoire français. La Belgique est-elle agitée par une polémique à propos du voile islamique? Une députée d'origine turque et de confession musulmane va siéger aujourd'hui au Parlement avec son voile. Il s'agit d'une grande première en Europe. Sur place à Bruxelles, François Baudonnet avec Damien Louvet. Elle a 26 ans et depuis quelques jours, elle est la plus jeune députée du Parlement bruxellois. Mais c'est parce qu'elle porte un voile que Maïnoureuse Demir soulève la polémique dans le royaume. Pour moi, le plus important, c'est le travail accompli plutôt que l'apparence extérieure des gens. Cet après-midi, cette ancienne conseillère municipale va siéger dans cet hémicycle. Ce serait une première en Europe pour une femme voilée, ce qu'une partie de la classe politique belge voudrait interdire. Le Parlement est un lieu véritablement symbolique. Et je crois qu'on doit peut-être d'abord y marquer son appartenance à une société plutôt qu'y revendiquer une différence. Je pense que la démocratie représentative, c'est d'élire des gens qui sont représentants de leurs électeurs. Quand les citoyens ont décidé, ont voté, vous savez, le peuple, il est souverain. Le débat en Belgique est symptomatique de ce qui se passe partout en Europe face au défi du voile islamique. Les gouvernements ne savent pas comment réagir. C'est ça.